Dans ce métier, quand tu es, voilà, tu fais ce genre de métier, c'est, voilà, tu es devenu une personne publique. Et les gens entendent beaucoup de nous. Ce qu'on a fait en 2019, les gens ont toujours ça en tête, gravé dans la tête, voilà, que l'équipe nationale doit toujours faire plus, on doit aller encore plus haut. Et quand ces 3 dernières années ou 4 dernières années, on ne s'est pas qualifié à une CAN, ouais, c'est normal. Les critiques, voilà, c'est, je pense qu'ils sont dans leur droit. C'est à nous en tant que voilà, sportifs, en tant que joueurs, de savoir que voilà, les gens entendent beaucoup de nous et que voilà, de prendre ça sportivement. Et après, voilà, il faut prendre ces genres de critiques pour pouvoir avancer. Parce que pour moi, voilà, c'est normal. Quand ça va bien, les gens, voilà, ils sont heureux, ils sont toujours avec nous. Quand c'est pas bien, et voilà, ils critiquent. Pour moi, c'est normal. C'est le foot, c'est comme ça. Le métier, voilà, il faut l'accepter. Continuer à avancer, prendre ce qui est positif et par la grâce de Dieu, voilà, les bonnes choses vont arriver. Voilà un footballeur des temps modernes, Saturnin Allagui. Il a dit tout ce que certains pensent en bas. Et ouais, c'est les critiques aujourd'hui. Hein. Les joueurs sont tout le temps critiqués. Et il a dit bon, il faut qu'ils prennent ça bien sûr pour s'améliorer, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai que bon, après leur bonne performance en 2019 à la CAN, on n'a plus vu cette performance. Que le public béninois espérait. Deux qualifications qui n'ont pas été, bien sûr, à la CAN, n'ont pas été du tout. Et ça a causé beaucoup de choses au pays. Et voilà, les voilà lancés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et beaucoup de Béninois ne vendent pas aujourd'hui leur peau chèrement. Et c'est souvent c'est dans ces circonstances-là que l'équipe nationale arrive à sortir la tête de l'eau. Quand on ne pense pas à cette équipe, qu'elle fera une belle prestation, bon, je ne suis pas en train de dire que bon, le Bénin va se qualifier forcément pour la Coupe du Monde, mais il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Le premier match, c'est déjà le 18, me semble. Le 18, déjà ça joue contre l'Afrique du Sud. Et les joueurs sont déjà là. On va partager les informations avec vous au fur et à mesure. Il y a déjà les joueurs. La dernière vague est déjà arrivée pratiquement. Donc, Saturnin Allagui donnait son avis par rapport au mécontentement de la population et tout et tout. On se dit à tout moment pour un nouveau flash. Mais avant, bien sûr, de partir, j'aimerais partager une grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, gagner de l'argent sur YouTube, un seul numéro, plus 229 53 63 87 30. Appelez le numéro ou tout simplement écrivez à l'adresse mail en commentaire épinglé en description. Je vais mettre aussi le numéro là. Donc, on se dit à tout à l'heure. Ciao.